Bonjour, bienvenue à tous sur Figurine TV. Eh bien, vous ne le voyez pas encore, mais je suis à Lyon, au club du Look de Noom, pour la 18e édition de son concours. Alors, dans 2 ans, c'est les 20 ans, événement à ne pas rater. J'ai déjà eu quelques petites indiscrétions sur le sujet, donc il est indispensable que vous prépariez dans vos tablettes cette date pour réserver votre agenda dès maintenant. Si on parle agenda, évidemment, ce qu'il ne va pas falloir rater, ça va être l'Open de l'Ouest, le Pandemonium, le concours de Montrouge qui vont arriver au début de septembre, il y a Blagnac, et puis cet été, le Mondial avec la World Expo à Eindhoven. Mais revenons à Lyon pour parler un petit peu du problème qui a touché le concours de Lyon cette année, c'était le fameux coronavirus. On a vu un peu moins de pièces et un peu moins de personnes à regarder les figurines. Près de la moitié des pièces en moins cette année, alors c'est un peu dommage pour les organisateurs. Les Italiens, touchés les premiers par cet événement, forcément, ne sont pas ou peu venus et ont évidemment amené beaucoup moins de pièces que d'habitude. C'est dommage parce que quand on connaît la qualité des Italiens et qu'on vient à Lyon pour se frotter à la peinture et aux peintres italiens, ça manque un petit peu. Ceci dit, il y avait des clubs de reconstitution historique qui sont derrière moi. Alors, je vais vous mettre les noms en dessous parce que avec ma petite tête, je n'ai pas tout mémorisé. Donc vous allez voir les incrustations et éventuellement, je vais vous mettre aussi leur adresse internet si vous voulez visiter leur site. Ce sera le plus simple. On vous a préparé également une galerie comme d'habitude qui sera malgré tout très belle parce qu'on avait quand même en master, en confirmé de belles, belles pièces. Moi, cette année, par exemple, j'ai attribué encore de nouveau le prix Figurine TV à un débutant pour motiver à continuer à faire de la figurine, de la belle figurine comme on en voit ici. Et le club de Lyon cette année avait mis en place des démonstrations, c'était une première, avec l'association de Figurines TV pour faire des peintures avec Ivo Preda sur des chevaux avec les différentes robes et avec Jean-Paul Dana sur une palette et une façon d'aborder une palette à 4 couleurs. Ça sera diffusé sur le site, vous allez les voir, mais en live, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, je vous invite à ne pas rater les futurs événements qui vont venir et surtout à ne pas rater les 20 ans du club du Look de Noom. Ils comptent sur vous, ils comptent sur nous et croyez-moi, les caméras de Figurine TV seront là. Alors je vous dis à bientôt dans un prochain concours et en attendant, faites de la figurine!
donc, ben écoute, je suis venu à Lyon tout spécialement parce que j'étais invité par le club, Loup de Nome, et notamment par François Firpo et Louis Doriot. Et pour moi, c'était un grand honneur, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, donc je me présente, je suis Alain Laffey, j'ai 72 ans. Et j'ai démarré la figurine à l'âge de 20 ans. Donc, tu fais le compte, ça fait plus de 52 ans de figurine, ce qui ne me rajeunit pas. Voilà, et puis pourquoi la figurine, et notamment le Premier Empire, parce que c'est une période qui m'a toujours ébloui par l'uniformologie. Puis bon, la période du Premier Empire est une période très courte sur l'histoire de France, qui a duré 15 ans, mais qui, voilà, tout le monde connaît Napoléon et son Premier Empire. Et notamment donc la figurine à travers l'uniformologie, où je trouve les uniformes merveilleux, très variés, très modernes après l'époque des rois. Et j'ai commencé donc par la marque Historex, comme tous les débutants de figurines, la vieille maison Historex. Et puis bon, j'ai découvert plus tard les figurines en plomb, c'était du plomb, de l'étain et de l'antimoine. Et j'ai trouvé que c'était plus noble, même si la résine, il faut dire résine et pas plastique, même si la résine est à de beaux jours encore devant, mais je préférais le plomb. Donc je me suis dirigé sur les figurines, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'était donc le Premier Empire, il n'y en avait pas beaucoup, et une marque espagnole m'a attiré, c'est la marque La Mayenne. Et voilà, ça a démarré comme ça, et puis j'étais plutôt collectionneur que figuriniste en fait. Il me fallait remplir les étagères, au grand désespoir de mon épouse d'ailleurs. Et donc j'ai commencé avec La Mayenne, et ensuite est arrivé le miracle. Le miracle, c'est Bruno Leibowitz avec sa marque Metal Model. Et là, ça a été la catastrophe. Je n'arrêtais pas, une boulimie énorme de Metal Model, et toujours bien sûr le Premier Empire. Une marque fantastique, une sculpture merveilleuse, enfin tout ce qu'il fallait pour se régaler, pour peindre donc ces figurines. Et puis ensuite, bien sûr, il m'en fallait toujours plus, et est arrivé Atelier Maquette de mon ami Gilles Guyot. Et voilà, donc pour moi, c'est pas une finalité, mais bon, je suis arrivé où il fallait que j'arrive. J'ai plus de 300 ou 350 cavaliers peints. Je dois avoir autant de piétons peints, et je ne sais plus où les mettre. Donc j'ai un peu levé le pied, et voilà, maintenant je vais passer au buste. Ça prendra peut-être un peu moins de place, et je pense que là, je fais le tour de mon histoire. Mais l'uniforme est magnifique, donc je répondrai avec grand plaisir aux questions que l'on pourrait me poser sur l'uniformologie. Donc alors j'invite tous ceux qui sont passionnés à venir te rencontrer, entre autres à l'étendard Occitan lors du concours de Blagnac, donc, et puis bah, dans les concours, tu seras, je suis sûr, un fervent vecteur de passion pour la figurine et pour ton vécu. Ben écoute, merci à toi. Merci à TV Figurines, bon, que je suis régulièrement, assidûment d'ailleurs, sur Internet. Et je te remercie beaucoup parce que grâce à toi, la figurine n'est pas prête de s'éteindre. Je te remercie. Merci Alain. Ah, le trempé de la saucisse. Ah, 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 oh, merci Bruno. Elle était vivante. Et elle était filmée. Ah. Et en plus, elle était filmée. Ah, ça vous fait rigoler, hein. Thank you.
Thank you.
Thank you.